Ça, c'est un faucon cresserelle. C'est pas le plus grave, celui-là. Là, il faudrait qu'on pousse par là. Voilà, je fais ça encore. Encore. Stop là, ça devrait aller. On va pas le poser sur un des côtés en fait, qui est tourné vers l'intérieur de l'église, parce que pour le faucon, ce serait pas hyper logique de venir ici. Et du coup, vu qu'il est tout le temps vu de l'autre côté, je pense que c'est plus intéressant de poser de l'autre côté. Il ira plus facilement visiter le nichoir et potentiellement du coup nicher dedans. Quand il a des plateformes, etc., bah, en fait, ça lui convient totalement pour nicher en milieu naturel. Il a juste besoin d'une plateforme, il n'a pas de milieu couvert. Et nous, du coup, quand on pose des nichoirs, on pose une boîte parce que comme ça, au moins, ça protège les intempéries et ça limite la destruction des nichés et tout ça. On va peut-être le rentrer un petit peu plus. Bouge pas. Alors ça, du coup, ça va être une plateforme d'envol pour les jeunes, en fait. Quand ils vont apprendre à voler, ils ont besoin d'avoir voilà, des plateformes pour s'exercer un peu à voler, à volter, on va dire, au début. Et du coup, à la base, elle est censée être large comme le nichoir. Et là, on a dû l'aménager un petit peu pour que ça puisse rentrer dans le clocher.